I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yo! Salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie sur Killzone. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, bordel. La traînée de vapeur, c'est où ça? C'est ça? J'ai pas un peu peur là. Oulala, qu'est-ce qui se passe? On est dans les nuages. On est dans les nuages. C'est vert, la fumée est verte. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Wouah. C'est supposé faire quoi? Oh merde, oh sa maman, oh sa maman. Ah! Je vois plus rien maintenant! Ah! Oh merde! Ah! Oh putain, ça ressemble à rien ce machin! Je dois aller où? Gauche, droite, mon cul! Non! Ah putain! Je sais pas pour vous, mais ça ressemble à rien ce passage. Hein. Je suis pas super fan. Hein. Autant là, je suis type, ça allait. Autant là, ça va absolument pas. Ce joystick droit, il sert à rien malheureusement. Oula! Oula! Point de contrôle! Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller, bordel? J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Mais pourquoi est-ce que la ville s'écroule quand j'arrive en plus? Faudra m'expliquer là. C'est passé quoi là? Je suis mort comment? Je suis mort de quoi? Allez, oh, 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 ah! Mais de quoi je meurs là? Faut pas que je passe entre les deux buildings ou quoi? Ça ressemble à rien ces passages, mais ça ressemble à rien. Ah, je suis désolé, mais je veux bien croire que ça donne du style, du swag, mais si on sait même pas réellement où aller, si on sait même pas quelle direction prendre, je vois pas l'intérêt, quoi. Ah bah là, je croyais que c'était que ça, en fait. Fallait pas aller à droite, voilà. Gaucher for the win, comme on dit. Enfin, comme moi je dis, parce que moi je suis gaucher, voilà. Donc voilà, Alex. Je vais à gauche. Rendez-vous sur le site. La zone grouille de droïdes de combat. Fais attention. Allez hop, je suis dessus, je suis dessus. Ouais. Dylan, je suis sur la route en contrebas. Descends. Je vois la fumée du crash. Des troupes à découvert là-haut. Dépêche-toi. J'arrive. Le noyau de la planète est instable. Le sol va commencer à sérieusement trembler. Regarde où tu marches. Le sol est instable. Je n'ai jamais rien vu de tel. T'as jamais rien vu de tel? Bah c'est juste un... une grosse explosion quoi. Je vais aller où là? Hein? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Ah! Voilà. Pas comment j'ai fait, mais je suis un putain de BG. Et là, je meurs. Kellan, on ne pouvait pas faire autrement. Nul n'était digne de confiance avec ma sœur vivante. Les deux camps ont détruit la totalité de cette planète. On ne peut pas accepter le même sort pour Vecta. C'est sûr, mais pour ça, il faut trouver Stahl et détruire l'arme.
Ces puits gravitationnels nous aideront à traverser le terrain. Tu ne peux pas endommager la foreuse sans une bonbonne de pétrusite fixée dessus. S'il t'en faut une autre, tire sur un bot. Ils en ont toujours sur eux. Ouais. Bah, y'en a une là. Pourquoi je me suis fait chier à l'autre côté alors? Allez hop! J'ai dit on met! Ah ouais, je t'insère. Bien. Recule et vise la bonbonne. Ok. Ça fait quoi? Ah ouais! Ça envoie du lourd là! Viens avec moi, il ne t'arrivera rien. J'espère pour toi, hein. J'ai pas payé pour mourir. Quoi? T'as dit qu'il m'arriverait rien! Mais! Pourquoi j'arrive pas à monter là? Pourquoi? Séparons-nous, ils ne pourront pas nous repérer. Ce vaisseau est notre seule piste. Ah d'accord. Et garde le contact. Toujours Roboto avec moi? Ouais, c'est toujours Roboto avec moi. Bon, faut localiser le vaisseau. Bon, question, il est où ce vaisseau? Et autre question. Je dois aller où, putain? Ah, c'est quoi ici? Ça fait très... décor apocalyptique. Oh! Un vieux Minitel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Je dois aller où? Eh ben, bravo, Alex. T'es juste légèrement en train de te niquer, mais bon. Bon. On est d'accord, on est ici. Là, y'a rien. Ouh putain! Je suis pas un de ma mort là. Bon, forcément là. Allez, hop, on va monter. Merci. Y'a rien ici. On est d'accord. Même si je descends, je trouverai rien. Il faut forcément venir ici. La question c'est pourquoi est-ce qu'on vient ici? Faut seulement que je trouve un truc, un de ces puits à la con là. Ah! Félicitations Alex, tu es un gros putain de débile et d'aveugle. Félicitations, félicitations. Péter un peu! Mais pète! Putain, il fallait le temps! Ça fait quoi en fait? Ça m'a ouvert un chemin, mais. Il sert à quoi ce chemin? On va aller voir. Qu'à faire. Ah d'accord, il y avait un truc. Oh putain. Là, il va y avoir un putain de peuple, je le sens. C'est quoi ce truc? Une unité d'analyse mobile. Elle appartient au réseau défensif. On doit la neutraliser. J'ai été repéré. Oh, tu me le diras pas deux fois de dégager, hein. Elle est où? Elle est droit devant, hein. Y'a pas un lance-roquette dans le coin? C'est quoi ça?
Ah merde, c'est mon truc. Comment est-ce qu'on va la neutraliser? C'est ça la question. On n'a pas d'armes potentiellement dangereuses pour être... Je cherche là, je cherche. Elle s'en branle. Non, j'avais pas vu le vide. Putain. C'est quoi ce truc? Une unité d'analyse mobile. Elle appartient au réseau défensif. On doit la neutraliser. Alors. Comment pourrions-nous la neutraliser vu qu'on n'a pas les équipements pour... J'ai été repéré. Dégage. Oh putain! Carrément lance-roquette, hein. Cherche pas, quoi. Comment est-ce qu'on peut la neutraliser? C'est la question. Super. Vous savez quoi, je vais courir un peu pour voir. Parce que je crois qu'il faut activer ces machins là. Je sais pas pourquoi. Et sérieux, je vais toucher dessus. Je vais tirer dessus. Bon, le prochain tu viens. C'est une blague! Voilà, c'est mieux. Ah, j'en ai déjà pas mal. Ah, faut que je tire dedans. Il faut que je tire dedans. Hein. Allez, meurs! T'as tes roboto là! Tiens, mais il faut combien de balles pour péter, saloperie? Regardez, il est buggy ou quoi? Ah! Non! Oil! Oil! Aide-moi! 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 Aide-moi, vite! C'est une blague! Me spot à 20 km ou quoi?
Pardon. Bon. Pas grave. Faut juste savoir comment est-ce qu'on va accéder à ce machin. Allez, on y est presque. On va y arriver, on va y arriver, on va le péter. Bon. Oh, quelle horreur, mine de rien. T'as pas de... un super truc pour moi là, j'ai pas un multi bazooka triple fonction avec triple tête perforante ou autre. Mais non, t'as rien de tout ça pour moi. Le XVSK il peut se toucher. Oula putain, vas-y quoi, c'est quoi? Oh putain, putain la gravité. J'étais spoté à 20 km. Pourquoi j'ai rien là? Wouah! Ça j'avais pas vu par contre! J'avais pas vu qu'il était carrément au-dessus le truc quoi. Ça va, vous d'espace les araignées? Bon. Eh? What? C'est quoi ces angles? Ah bah bravo Roger! Ah bah bravo! Sois prudent, ne perdons pas de temps, on n'est pas loin du crash. À l'époque, Vissari était plus jeune que moi aujourd'hui. Elle a vu son pays anéanti, être dépossédée de tout. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a pu ressentir. Oh merde! Oh bah, elle a mort, hop. Ah! Ah, je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Ah putain, ça y est. Ça va être l'épisode de la galère là. Ça va être vraiment. Quand je dis l'épisode de la galère, ça va vraiment être l'épisode de la galère là. Vous avez vu le. Les gros mechas là au fond. On va galérer, moi je vous le dis hein. Allez. Voilà, je vous avoue, je suis en maxi. Oh putain. Poser le condensateur ici. Ça va nous amener où ça? Et hop. Putain. Nous amène ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des araignées! Voilà.
Motherfucking araignée. Ah ! Merde. Ah. Bug. Ah putain, ah y'a de l'adrénaline, où ça. Adrénaline. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer sans se faire spotter en fait? C'est ça la big question que je me pose. Que je vois, il y a deux trucs. En soi, ça devrait être jouable. Salut ! Mais t'as de bouger ! Salope ! La galère. C'est pas l'horreur là. Pas moyen d'y accéder d'ici. Putain, même pas quoi. Donc en gros, je dois lui dire bonjour quoi, le gars. Bon, ça. Peut-être que les grades d'impulsion pourront faire leur affaire. Merde, il arrive. Allez, tourne. Voilà, ça c'est fait. On va se barrer bien loin, on va se faire spotter. Voilà. On va se planquer ici. Que je vais pas voir. Ah oh, putain. Mais il est où? Ah oh, t'es là. Qu'est-ce que là? Putain, vous avez voulu me faire chier longtemps là, saloperie. C'est qu'on dirait qu'ils sont incapables de me toucher quand je suis ici. J'ai rien dit. C'est là que ça va être drôle maintenant. C'est de savoir où se cache le deuxième. Je suis presque sûr qu'il est... Qui est sûr à 100% qu'il est là où il y a l'araignée. Oh putain, comment. Regardez ça, comment il a boosté son. Son truc de rotation quoi. Bah là, je suis SF. Ah, dès que c'est là. Bah. J'essaie de m'avancer un peu pour voir si on n'a pas un autre. Oh putain, il y en a trois quoi!
Ah non, ça va. Merde! Oh putain! Non! Ah, les araignées! Oh putain de merde! Vas-y, wesh, mais... Putain, c'est Terminator, le gars, ou quoi? Et toi, là? Putain! Va me pirater ça, là! Ah ouais, vas-y, lance-grenade, hein! Cherche pas à comprendre, toi! Il y a de l'adrénaline. T'inquiète pas, Ex! T'as vu pire dans l'histoire du jeu vidéo? Tu vas t'en sortir. T'as vu bien pire que ça dans l'histoire du jeu. C'est pas un petit robot araignée de merde qui va venir te faire chier, même si t'aimes pas les araignées de base. Mais... On va juste trouver la tactique qui va bien. C'est-à-dire la technique du lâche, du fuyard, celui qui n'a pas envie de se mouiller le cul. J'espère bien qu'il y en a que 3, hein. Parce que sinon je vais avoir l'air con. Enfin non, normalement il y en a 4. T'inquiète pas, tu me verras plus, tu me verras plus, tu me verras plus, tu me verras plus, mec. Va falloir courir, moi je vous le dis. Allez, monte! Monte, salope! Ah bah il l'a pété lui-même. Ils sont tous neutralisés. J'avance. Le site du crash devrait pas être loin. Et le robot, il est mort ou pas? Ouf! Il est mort. Nickel. Ah, bon. J'allais où? Ouais. Bien gentil de me dire que c'est là-bas, mais bon. Elle est où la porte d'entrée? Elle est là. Juste derrière. Comment pourrait-il nous pardonner? Ok, d'accord. J'ai rêvé, j'ai fait buggy l'IA. C'est pas grave. Salut! Au revoir. Parfois j'aimerais que les gens oublient ces événements. Que la douleur et la culpabilité laissent place à l'espoir. Tout va bien, Kélan? C'est plus qu'un tremblement, ça. Les secousses s'intensifient. Il faut qu'on aille sur le site du crash. Je veux bien aller sur ton site de crash, mais je sais déjà pas par où je dois me rendre. Ça va pas m'aider, tu vois. Point de contrôle. Ah, bah, je suis sur le bon chemin alors. C'est quand même marrant. On a même pas vu un seul Elgast là pour le moment. C'est chaud, hein. Très vaisseau. J'ai un visuel sur le site du crash. Je le vois. J'arrive. Il est là. C'est Tyrann. Il est vivant. Fils de pute. Il est à bord d'un vaisseau. Il faut qu'on le trace. Et qu'on nous mène jusqu'à l'arme. Compris. Je m'en charge. Ah mais non. S'il vous plaît, non, ça va pas être... Oh si ça fait ça, putain.
Il bouge cette fois, je rêve. Aujourd'hui les loulous, c'est une partie de cache-cache en compagnie de XVSK. Bon, j'en ai spoté un. Allez, salut! Lâchez-moi! Là, ils ont un gros truc à l'arrière qu'on peut péter. Voilà. Non, 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 tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas, t'es un putain d'aveugle! Ah putain, mais il me voit, hein, ce con! Voilà, non, tu me vois plus. Oh merde! Ils sont deux! C'est en mode fuck la police, là, je crois. Bon. Voilà. Nickel. Bang bang. Bon. Il est mort ? Quelle pluie gravitationnelle? Ah! J'arrive, chérie! Je vais quand? Ah! Ça fait du bien de te voir, hein! Au cas où, hein! Parce que là, les deux grosses araignées de mes couilles, là. Bon, moi, je suis sûr qu'ils nous feront plus chier. Ça tremble! On bouge! Attention aux chutes de débris! Bien sûr! Pourquoi je sens que je vais tomber? Cet endroit tombe en ruine. Il atterrit juste derrière la crête. On y va. Oh putain. Non. Non. Ouf. Vous avez vu la maîtrise du XVSK? Cette maîtrise, sans nom. Sans pareil. Il y a cru, hein, jusqu'au bout, les survivants, hein, l'exécution. Non, j'ai con, enfin, j'ai cru que j'allais finir écrasé comme une vieille crotte, là. Genre, t'es téléporté directement là-bas, toi. En plus, je peux même pas courir, à savoir pourquoi. Eh ben, non, je peux courir, c'est quoi cet embrouille? Je le vois. Il nous mène tout droit vers l'arme. L'armement est considérable. On ne passera pas à moins de neutraliser l'unité d'analyse mobile. Je trouverai un autre chemin. Si on les prend de flanc, on aura de meilleures chances de créer une brèche. Et quoi qu'il arrive, Kellan, l'arme est la priorité. Ils ne doivent pas l'utiliser. Faisons en sorte de ne pas en arriver là. Déjà au chapitre 9? Si je vous dis qu'il y a 10 chapitres, vous êtes dégoûté. On approche tout doucement de la fin. Hein. Ça veut dire que je vais finir Killzone avant Dead Rising. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être tranquille de temps en temps en jouant?
Ah, au moins Roboto est avec moi. C'est pas mal. Alors je le sens mal de passer. Ouais, on va passer par le petit truc ici, mais je sens que ça va être pas glorieux. T'as pas vraiment se croire dans Dead Space quoi. Qui est pas plus mal. Mais bon. Attends, mais j'ai l'impression de contrôler un nain là. Je sais pas pour vous, mais quand le personnage court, j'ai l'impression que. Ouais, dire que tout allait bien, monsieur. Je vais rejoindre l'entrée. Occupe-toi de l'unité d'analyse mobile. J'ai la base en visuel. Ah ouais! C'est cool ça. Hein? J'avais dit, il te faut combien de balles pour crever cette théorie de machine? Bim! 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 Hein? Tu vas dire pourquoi je peux vol? À se coucher! T'as vu le sniper, il en a rien à branler de ma life hein. Le sniper il en a vraiment mais rien à branler de ma vie hein. Bouge. Allez. D'ailleurs pendant du sniper il est. Il est là-bas. C'est quoi? Vu que tu veux pas me tirer dessus, pas de problème. Désolé, c'était pour être doublement sûr. T'as pas pris ta balle? Hein? Oh! Bon, avec la prochaine fois, t'évites de gaspiller tes munitions avant ça. Ah. Allez, on va les affronter carrément parce que là, ça devient un peu saoulant de sniper. Armoire et Roboto, Lee. Oh putain. C'est une sacrée corniche là quand même. Comment est-ce que je passe? En sautant, bien sûr! Bah oui! Ouais, regarde! Yeah! Voilà. Regardez qui est au fond. Avec les permadeads là. Y'a pas votre ennemi dans le coin? Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite caméra là. D'accord, j'étais en plein dessus. What the fuck? Mais. Quand même! Tant de balles pour péter une caméra, faut pas abuser là, Alex. D'accord.
Quoi? Mais ils sont pas sérieux là. Ils sont sérieux ça. Putain, mais faut qu'on m'abat pour ce machin, j'allais dire merci. Ah! Franchement, je suis heureux quand j'ai un mec comme ça. Je me dis putain, il a pas de bouclier, je vais pas devoir me faire chier. Et là, si je descends, je tombe. Je tombe comme une vieille crotte moisie sur un pare-brise. Aucun rapport, aucun rapport. Mal. Il est vivant. Il est vivant. C'est bon là, là putain c'était pas... Bon, il est où le dernier qui m'en veut là? Il est où? Je vois nulle part. Là. Ouais, bon là. Vas-y, remets-toi. Sous là, j'en ai marre, faire leur gueule. Je peux pas ouvrir ça. Si je peux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des choses intéressantes? Non, il y a rien. Ok. Ah! J'ai de nouveau des grenades. Si ça sert à rien, je dégrenade. Mais regardez ça! J'ai l'impression. Comment ça se fait que ça fait ça en fait? Je comprends pas. Ils m'énervent franchement les mecs avec leurs boucliers. D'accord, t'as pas pris tes balles, bâtard, merci. Et t'avises pas de revenir avec ton bouclier, hein. Pas sérieux, là. Comment ça va être la guerre d'activer ce machin, sérieux? Bon. Auto, passe en mode gourbourisme. Non, t'as pas envie d'attaquer, Roboto? Vas-y, attaque. Ça va, je passe dans mon coin quand même là. Roboto, allez, attaque! Blague! Non, avec les trois dernières balles, j'ai réussi à l'avoir quand même. Là, faut dire respect avec XVSK. C'est cool! Cet endroit ne sert à rien. Ouh merde! Pardon. Qu'est-ce qu'il y a comme câble là-bas? Charge prête. Je suis presque à l'entrée. Je peux faire quoi? Pourquoi il y a un timer? Monsieur, pourquoi il y a un timer?
Ah, d'accord, parce qu'il y en avait un autre à péter aussi. En gros, j'ai envie de me barrer, quoi. Voilà. Deuxième charge installée. Attendez pour détonation. Rendez-vous à l'entrée. Je suis en route. Quelle entrée ? Qu'est-ce qu'il fait le robot ? Oh merde, d'accord, en fait il m'avait spoté, j'avais pas vu. Pas grave, on va se mettre dans un coin, on va attendre, hein. On va voir ce que ça va donner dans 15 secondes. Ça va faire boum. Que le robot va faire boum au passage. Aïe! D'accord, j'ai compris. Voilà. Il va me voir d'ici, je rigole quand même. Et voilà, il est plus là. Le système est mort. Sécurise la zone pendant que je trouve une entrée. Éliminer les forces de ghast. Il y en a encore ici. Il n'y a personne. Ils sont tous morts. Oh putain, d'accord, non, ils viennent d'arriver. Non, c'est juste le VSK qui est derrière vous. What? T'es pas mort? Il est où l'autre là maintenant? Putain, ils sont. Oh, ils sont 5. Oh, ils sont 6, d'accord. Hop! C'est mort. Salut les chéris! Quick! Conne encore un, quoi? C'est bon, j'y suis. Ah non, ça va. Rejoins l'entrée, je vais ouvrir les portes. Je pars devant. Surveille nos arrières. Non! L'arme n'est pas là. Tyrann doit l'avoir. Par ici, on doit pouvoir passer. Aide-moi à déverrouiller la porte. On doit prendre les navettes. On doit nous mener à lui. Occupe-toi du quai. Je m'occupe de la navette. Ah là 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 là. Hein? Ah, oul! Mon bibou, viens! Bim, 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 bim! Oula, il a enculé là. Ah bâtard. Oil. Eh merde. Oh, ça va me gaver ça là. Putain, les deux pecnos cachés là. Effet ralenti. Voilà, c'est bon. Le quai est dégagé. Pouf. J'ai presque
C'est bien, c'est bien. Mais je fais quoi pour l'instant? Je me touche. Ah. Coucou. Ça va, chérie? Renoncer. C'est peine perdue. Essaie. Sinon, Vecta est perdu. Chef, vous me recevez? À vous. Chef, si vous m'entendez, vous devez absolument reculer. Stahl nous attendait. Il savait qu'on viendrait. Confirmez. Vous recevez? Chef! Que dalle. Vu qu'il t'ait entendu. Encore duré 2 ans, ça. Putain, en tout cas, ça en fait du vaisseau de compète, hein, là. Bon, de toute façon, on va s'arrêter ici. Ça fait déjà 52 minutes de vidéo qu'on est ensemble. Et on est presque à la fin du jeu. Bah, c'est cool, hein, je me dirais vous. Je suis en sommeil, loulou, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous laisser ici. Prochain de vous, pour son quel drôle de plaisir d'avoir là. Attitude, comme d'habitude, je tripe au cul. Quand la seule chanson que c'est sous le déclencher le dicton, prenez soin de vous et je vous fais plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye, peace.